Quand tu t'aigues, chaque personne comme ça qui va sortir va être une joie immense pour moi. Parce que je vais faire comme, enfin, je suis libéré de cris, je suis libéré de niaisage, de stupidité. J'ai juste hâte de voir demain, sérieusement. Qui arrête pas de chialer dessus. Oh, mais là, j'ai pas mes jogging. Oh, mais là, j'ai pas mon make-up. Là, j'ai pas mon eyeliner. Oh, là, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Qui c'est qui m'a volé mes affaires? Qui c'est qui a bu mon lait crémé? Qui c'est qui... Ta gueule! Ta crisse de gueule! Oh! J'en viens pas. Au début, je pensais vraiment, je me disais, hey, écoute, je vais essayer de dealer avec, de la manipuler, de l'avoir un petit peu de mon bord. Je suis même pas capable. Je pense que j'ai décroché par moi-même, je fais comme, oh, je suis plus capable. C'est une princesse de même qui a tout cuit dans le bec, puis fait comme, oh mon Dieu, tu sais, c'est. Moi, je suis importante, moi, j'ai ici, moi, j'ai. Oh non, regarde, elle est d'une insignifiance incroyable. Je suis content que vous ne l'immunisiez pas. Ça m'aurait tellement déçu. Mais tellement. Demain, on va y pacter ses affaires et on va la mettre dehors. Oh. Juste la voir partir, ça va être un délice. Moi, ce que j'ai peur, c'est que son départ renforce Delphine. Moi, c'est vraiment ce que j'ai peur. C'est quelque chose que j'ai. C'est pour ça que j'ai hésité à éliminer Signé, parce que j'ai vraiment peur que le fait d'éliminer Signé va renforcer Delphine. Ça, c'est dangereux. Je veux pas donner de munitions à Delphine. J'aimerais vraiment savoir ce qui se passe à l'extérieur. Comment est-ce qu'on est perçu, comment vous voyez ma game. Moi, c'est sûr que j'ai une grosse préoccupation. Bon, il faudra que j'aille me chercher de l'eau parce que je commence à manquer de voix. C'est une grosse préoccupation pour moi de savoir est-ce que je fais une bonne game et est-ce que le monde qui m'aimait m'aime encore. Et j'essaie d'aller chercher les ondes positives, me dire est-ce qu'il y a du monde qui m'appuie encore, est-ce qu'on aime ce que je fais. Je sais pas. J'espère vraiment fort. Faudrait peut-être que je fasse plus. À chaque matin, je me dis, faudrait peut-être que tu fasses plus. Faudrait peut-être que tu provoques beaucoup plus. Faudrait peut-être que... Mais vous savez, j'ai pas rentré dans l'offre avec le même état d'esprit la dernière fois. C'est-à-dire que... La dernière fois, dans l'Off 4, quand j'étais rentré dans l'Off, j'avais la tête vide. J'avais tout abandonné, tout ce qui était extérieur. J'avais vraiment fait le ménage. J'avais un mois avant. Je m'étais monté un gros plan de fou. Plan de fou. Entre guillemets, là, c'est un plan. J'avais pensé à mes affaires. J'avais pensé à ce que je... Comment que j'amènerais ça. Qui... Tu sais, comment que j'essaierais de faire éliminer les gens, puis tout. J'ai rentré dans le jeu avec un plan de départ et j'ai su improviser de semaine en semaine selon ce qu'on m'a donné comme outil. Fait que une de mes grandes forces a été d'improviser au fur et à mesure. Puis là, cette fois-ci, je suis rentré un petit peu, je dirais pas de reculons, mais j'ai rentré avec la tête pleine. Beaucoup de choses à l'extérieur. Je venais de sortir du Love 5, bon, tout le travail que j'avais fait dessus. Je m'étais promis de dire, écoute, après le Love 5, je vais probablement me payer des vacances. J'ai zippé avec ma blonde. On ne l'a pas fait. Je m'en excuse à elle, d'ailleurs, parce que je sais qu'elle voulait passer des moments avec moi en vacances. J'ai essayé de...
j'avais tellement, mais tellement de choses en tête quand je suis rentré dans l'œuf, puis je suis rentré comme à la presse, à la dernière minute. Il a fallu, oui, j'avais des choses en tête de qu'est-ce que j'allais faire, mais toute la mise en place de cette affaire-là se sont faites à la va-vite, à la dernière minute. Bon, au départ, j'avais pas été un choix du public, j'avais pas été mis comme un choix du public, là, le premier coup. Fait que tout ça, ça a amené plein de choses que j'ai comme faites. Je me suis comme pas préparé, j'avais mes études, j'avais d'autres préoccupations de la vie, là j'ai une blonde, ma famille était plus présente là parce que justement ils savaient que je rentrais. Fait que, mais c'était pas la même type de préparation, fait que j'ai comme rentré un petit peu, en tout cas un petit peu, peut-être moyennement plus faible que la première fois.